La grosse boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter, à La Rochelle et Rochefort. Bonjour à tous. Salut. Nouvelle petite vidéo avec aujourd'hui Laura et Clint. Donc Clint qui, comme d'habitude, va nous faire la technique et la mise en image et en son. Et Laura qui va nous expliquer le jeu. Aujourd'hui, un jeu du docteur Rainer Knizia, grand auteur devant l'éternel, plein de grands classiques pour Monsieur Knizia, Picomino et tant d'autres. Là, on est sur un jeu un peu plus long, un peu plus velu. Comme vous voyez, un tableau avec plein de façons de marquer des points. Voilà, ça va être un draft avec des milliers de combinaisons possibles. Et pour ceci, c'est Laura qui nous explique pour qu'on rentre directement dans le jeu. Donc, Mini Fury, ça se joue de 2 à 4 joueurs. Ouais. Petit jeu de draft où on va avoir 5 cartes pour commencer. Là, vu que c'est une partie à 3 joueurs, on a 4 cartes de mise sur le côté pour dès qu'on débloque une action. Donc, ici, c'est les ateliers, les maisons, les personnes, les commerces et le port. Donc, on va prendre une carte, la mettre devant nous. Donc là, c'est les cartes maison. Ça, c'est les cartes port. Les cartes atelier. Les personnages. Encore une carte personnage, mais pas la même famille. Les cartes commerce. Et voilà. Donc sur la carte, ici, nous avons donc en haut, à gauche, c'est le gouvernail qui nous permet d'avancer de 2 cases ou de faire l'action de la couleur de la carte, c'est-à-dire donc là les habitations, les maisons, les maisons, ça, oui, exactement. Donc on choisit l'un ou l'autre sur les ports. L'autre, ça va être le gouvernail, ça va être voilà. Ici. Donc voilà. Donc à chaque fois, on peut choisir soit le gouvernail, soit une des autres actions possibles. C'est ça. Il n'y a que avec le port où on aura le droit de faire les deux. C'est la seule carte qui permettra de faire cette action. Celle-ci. Voilà, celle-ci. Il y a des petits points sur les cartes. Deux petites... Tu peux montrer, Clint, s'il te plaît, les deux petits... Voilà. Ça veut dire qu'on a des points, mais on fait aussi gagner des points de victoire aux adversaires, qui sont sur les mêmes rangées de cases que nous. Enfin, en tout cas, on fait gagner des points aux adversaires. Donc là, on a choisi Jérôme en... En doge, le premier joueur. En général, c'est la personne qui a le verre le plus rempli qui va commencer, mais là, on n'a pas de verre. Donc, on a choisi Jérôme en premier joueur. Donc, on va tout choisir une carte qu'on va poser devant nous. Et c'est Jérôme qui va faire l'action en premier, et ainsi de suite. On va finir la manche. Quand on va faire les 4 cartes, il n'en restera une qu'on va ajouter ici, face visible. Et on va redistribuer, échanger de premier joueur. Du coup, quand on vient mettre un losange, tac, un petit losange, tac. Si on avait la carte correspondante, celle-ci, on la met donc au bon endroit et on gagne un point de victoire. On gagne des points. Là, par exemple, je me suis mis là, je gagnerai 2 points. Vu que mes losanges sont attenants. Et vu que je suis la dernière personne à mettre un losange, j'aurai le droit à une action supplémentaire, vu qu'il y a le symbole action supplémentaire. C'était Jérôme qui mettait le losange, c'est lui qui aurait le droit à l'action supplémentaire, même si c'est moi qui ai mis le plus de losanges. Une fois qu'on a mis 4 losanges de 4 symboles, de 4 symboles différents, si la place est libre, on va mettre là où il y a le plus de points. Donc le premier qui aura les 4 symboles différents à 20 points, et ainsi de suite. Ensuite, dans les maisons. Quand on a le symbole clé, on vient se mettre là. Et on a le nombre de points indiqué en dessous. Donc là, 2 points. Si je me mets là, j'en ai 6, parce que je recompte ceux d'avant. Sauf si quelqu'un vient casser la chaîne, et ben, je repars du nombre de points indiqué sous mon losange. Une fois que j'en ai 3 différents, j'ai le droit à une action supplémentaire. Je prends une carte ici et je fais l'action de ma carte.
Là, 4 différents, et bah, j'aurai le droit au même privilège que celui d'avant d'avoir 20 points si c'est disponible, et ainsi de suite. Là, par exemple, si Jérôme se met là et moi ici, j'aurai pas le droit au bonus 4 différents, car le 4, je l'ai déjà. Il faut que ça soit un chiffre différent sous la clé. Voilà pour les habitations. Maintenant, les nobles ou le pop, je sais pas les... on s'en fout. Je sais plus, bah, voilà, ils ont deux noms différents. Mais... Donc il faudra toujours commencer par le bas de la pyramide. Si on met sous, enfin notre losange sur le symbole indiqué sur notre carte, on a 2 points. Si on choisit n'importe lequel, on n'a qu'un seul point. Parce qu'il faudra compléter ceux d'en dessous pour en mettre une au-dessus. Donc là, c'est 1 point, 3 points et 6 points. C'est rappelé à chaque fois sur les cartes. Sur les cartes, c'est super bien fait. Franchement, il est très très bien détaillé ce petit jeu. On vous les montrera. C'est marqué un... Voilà. Et c'est marqué qu'on en a 2 points, on double les points, si on a bien le symbole indiqué sur notre carte. On n'aura pas le droit de commencer ici, ni ici, vu que en dessous, il n'y en a pas un. Voilà. Et pareil, quand on finit une pyramide, on déclenche une action supplémentaire c'est et ça. Un décompte de points. Et tous les joueurs auront des points en fonction de celui qui mettra en haut, bah, tous les joueurs auront à nouveau des points. Ça se passe exactement la même part ici. Là, c'est pareil, une fois qu'on a... Trois symboles identiques, c'est ça. On a... on déclenche les... Les objectifs. Les points. Les points, voilà. Et voilà. Voilà. Ça va être à peu près la même chose. Une fois qu'on a un symbole... Si on a le symbole, bah, on met un point. Si quelqu'un d'autre met... un losange par-dessus, et ben il gagne aussi des points par rapport à ce que... Là où il y a déjà le même symbole. Si par contre, je me mets ici et je fais gagner des points à Jérôme, j'ai conclu un pacte qui lui fait gagner des points, j'ai le droit à une action supplémentaire. Les bateaux, ils partiront que quand il y en a... Trois remplis. Et on compte le nombre de marchandises. Donc là, 1 point, 3 points, 6 et 10, il me semble. Donc si on est comme ça, et ben là, il y a 3 marchandises différentes, donc ça marque 6 points. Voilà. Donc chaque joueur multiplie par le nombre de bateaux qu'il a en marchandises. C'est ça. Donc là, vert gagnerait 12 points et rouge gagnerait 6 points. Voilà. Donc, ça peut être comme ça ou pas ? Ouais. Oui, ça peut être comme ça. Okay. Donc c'est à peu près... Voilà, après, ce sera la même chose, 4 symboles différents voilà, c'est ça. Là-dedans. Si, ah oui, on s'entraide, donc si jamais on joue dans la même case qu'un... Voilà, si par exemple, voilà, j'avais ça, demi, et toi, tu viens rajouter ici, c'est toi qui me fais gagner des points, j'ai plus de points, donc tu es avantagé, tu as le droit à une action en plus, parce que tu m'as fait gagner plus de points que toi. C'est ça. C'est pas mal, ça. Eh ben, c'est parti. Donc, on vous l'a dit, un petit draft. Donc, moi, j'ai choisi ma carte. Pareil. Pas encore. Forcément, elle arrête pas de parler. Tac, j'ai mis mon petit paquet ici pour que Clean puisse se servir après. Comme j'ai le Doge, je commence à jouer pour toute la manche. Et donc là, j'ai décidé d'attaquer les habitations. Et donc, je marque ici 2 points. Parce que j'ai la clé numéro 2. Moi, je vais attaquer. Je vais cueillir du brocoli chez les citoyens. Hop. Donc un je mets mon pied. C'est... Un coquillage. Bon, bah, c'est vert, ça ressemble à un brocoli de loin. C'est le bon, donc il marque 2 points. Sinon, 1 point si c'était pas le bon symbole, c'est le bon symbole, il marque 2 points. Donc moi, je vais mettre sur la croix. Chez les nobles, madame, c'est va ça. Chez les nobles. Et également 2 points. Donc là, on a tous marqué 2 points sur ce premier tour. Et on défausse nos cartes. On donne le paquet de cartes restant à notre voisin de gauche. Et on re-choisit une carte. Et ainsi de suite. Que fais-je ? Je vais faire ça. Hop. C'est bon pour tout le monde ? Hop. Alors, moi j'ai décidé d'aller chez le petit peuple, chez les pêcheurs. Et je viens jouer ici, c'est le bon symbole, donc je marque 2 points.
Moi, je vais jouer chez l'artisanat, c'est ça ? Les ateliers. Les ateliers. Et je vais apprendre le feu. Et je vais mettre là. Donc, un point. Pour l'instant. Moi, je vais chez le peuple aussi. Ouf. Oh, l'autre, chance. Hop. Ici, je mets. Donc là, c'est 6 points. 6 points. Oui, ça va, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que donc, j'ai mis sur le bon symbole et que je suis sur la deuxième ligne. Là, non, c'est 3 points, mais vu que c'est le bon symbole. Grâce à qui ? Grâce à toi. Ouais, ça, c'est fait. À vous deux, même. Oui, oui, à vous deux. On n'oublie pas. C'est que j'ai bien regardé les couleurs. Ouais, c'est ça. qu'est-ce que je veux. Ça laisse pas trop de clés, hein. C'est bizarre, ça. Et hop là. Ouais, c'est très bien ça. Vous voyez, c'est fluide. Pour l'instant, bah forcément, chacun construit sa stratégie. C'est bon pour tout le monde. Oui. Hop, moi j'attaque les marchands. Donc je vais me faire une petite. Un point. Hein. C'est ça. Pour l'instant. Et moi, j'ai la carte qui me permet de faire les deux actions. Donc je vais pouvoir mettre un jeton sur le navire et avancer de 4 cases qui me permettent de gagner 3 points de victoire. Moi, je vais aux ateliers. Et là, j'ai pas des points avec les gens qui ont mis des choses ou quoi. Il n'y a rien du tout. Non. C'est que okay. Quand tous les bateaux sont prêts à partir que là, okay. On déclenche des points. C'est pour ça qu'il y a deux actions, justement, parce qu'on n'a pas de points ici. Donc là, c'est notre dernière carte. Je réfléchis. Donc là, tu peux la mettre là-bas. Je vais jouer ça. Donc les cartes qu'on n'a pas utilisées, la dernière carte on ne l'utilise pas, on la met automatiquement dans le marché qui nous servira sur les actions supplémentaires. Donc moi je décide d'aller encore chez les marchands. Je marque un point. Et moi j'ai mis la même carte. Donc là je suis obligé de jouer au-dessus, c'est ça ? Et toi ? Donc toi c'est 3 points. 3 points. Donc je marque 3 points. Donc t'as 3 points. Donc un de plus, là, c'est ça. Il y a des points, non, il n'y a pas de points là. Non. 3, 6, 7, 8. Donc toi t'as 8, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il te reste comme question ? Oui, est-ce que là il a le. Non, pas encore. Pas encore. Parce qu'il a pas. Parce qu'il a, si il, c'est il dans a le pas même. Marqué plus, plus de points. Là. Ok, donc là on a fini le premier tour. Donc on défausse les différentes cartes. Action, donc là, ah oui, je me mets là, donc là 2 points, je gagne parce que je continue à être attenante. Non, celle-ci, les deux, je les ai joués. Hop, je l'avais déjà mis ma carte. On distribue 5 cartes. Oui, et c'est toi le premier joueur. Check. Merci. Et voilà. Merci. Super fluide, moi j'aime beaucoup. C'est sympa. Je vais jouer celle-ci. Est-ce que j'attends ? Est-ce que j'attends pas ? Là, c'est ça. Là, c'est ça. Là, c'est ça. Check. On va faire ça et ça. Ok. Donc, moi, je joue ici. Petit tas de sable. Et donc, je te mets là. Donc, tu mets 2 points, c'est ça ? 2 qui touchent, 2 points ? Oui. Hop là. Donc, moi, je me mets là. On ne dérange pas ? Non. Ça va ? Donc là, 3 points. Et là, j'ai le droit à une action supplémentaire. Je vais faire celle-ci. Il va mourir. Je crois pas. 4. Voilà. Et elle a pris la tête là. Quelle chieuse, regarde-moi ça. Ah. Casse-toi, toi. Sans déconner. On a 3. Hop, les cartes. Alors. Ah, pas mon choix. C'est ça ou ça? Donc moi je joue ça, mais pas pour le symbole, pour les gouvernails, et j'avance de 2 qui me rapporte 10 points de victoire. T'as bien de potes. Voilà. C'est Marco Polo. Oh mais non, mais t'arrêtes, c'est pas possible ça. Putain, quel relou. Donc 5 points de plus. Ils se battent pour les maisons. Ah mais t'as aucune visibilité. T'es juste devant toi, elle fait à chaque fois le truc pourri là.
un point. C'est d'où l'importance d'être le premier joueur. Parce que ça... J'ai cru qu'il allait le faire en plus. Hein. J'ai cru que tu allais le faire toi, mais non, ça t'intéresse pas. Alors ça, on s'en fout. Ah non, attends, excuse-moi. Parce que j'ai une action supplémentaire. Ouais. J'ai une action supplémentaire. Ouais, puisque t'as trois différents. Yep. Tiens, je vais prendre... Je vais prendre le marchand là, bleu. Non, le au milieu. Oui. Ouais. Tiens. Tac. Donc là, ça me fait... 3 points. 3 points. Moi, je joue ici pour remplir le griffon. Hop. Deux donc chez les citoyens, 2 points. 1, 2. Donc moi, je vois que ça se remplit au niveau marchandises, donc hop, je mets. Et j'avance de 5. Oui, c'est ça. Un seul point. Hop là. Tac, une clé, enfin tranquille. Tac. Donc 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et. Parce que donc du coup, il reprend. Les points d'avant. Donc là, on marque, du coup, on les marque, on les marque direct. Ouais. Bah oui, parce que tu es vers 42. Ah, voilà une stratégie qui fonctionne. Quand on n'est pas embêté. C'est que j'avais pas. Sinon, non, arrête. Sinon, j'y serais allé, mais j'en avais pas avec les. Non, mais 400. Ça, je l'ai joué. Ça va à la corbeille. La défausse. Et la dernière ici. Ouais. Donc moi j'ai joué dans la atelier. Atelier, voilà. Et je mets là. Et donc là ça fait 3. 3. 3 points. 1, 2, 3. Je suis à 25. Hop. Donc là, ça vous fait gagner des points. Donc vous aussi, donc moi j'ai 3 points. Et nous j'ai 3. Ouais. Et moi je joue hop dans l'atelier et je joue ici. Ce qui me fait marquer 3 points. Oui. S'il vous plaît. 1, 2, 3. Des fausses. Tac. Donc là c'est moi le premier joueur. Merci monsieur. Hop. Merci. Merci. J'ai quoi d'autre sinon après? Ouais. À toi Laura. Donc là, je joue un clé. Deux. T'as trois différents. Oui, une action différente. Je sais ce que tu pourrais faire de bien. Oui. Donc, je vais avoir 15 points de plus. C'est ça, faut que tu mettes ton losange là. Ouais. Donc, 18 points, s'il te plaît. Non, plus 5. Ah oui. Hop. Puisque les deux se cumulent ici. Oui, tout à fait. Merci, Clint. Tac. Moi, je joue un petit marin. Alors, je me demandais. J'ai l'impression qu'il faut jouer que dans les maisons parce que je suis à perpète derrière vous. Si je fais gagner là. D'Aiport. Et on gagne tous pareil. Ouais. C'est pas mal ça, ça évite qu'il y en ait un qui se gouffre, qui se goinfre. Mm-hmm.
Donc j'avance de 4. Ici, je marque 3 points. Et là. Ah mais ça va passer 6 points. Non, non, pas 6 points, c'est 4 points. C'est 3 points. Il n'y en a que 2. Ouais. C'est 3 points. Ouais, pas, 3 points. Et par contre, c'est là où je gagne une action supplémentaire parce que je fais. Non, c'est dans l'autre sens. Ah non, regarde là, il y a ça. Oui, parce que tu nous fais gagner des points à nous aussi vu que tu nous fais partir. Ah oui, d'accord. Donc là, on gagne aussi 3 points. Chacun marque 3 points. On peut pas les marquer. Pareil. Hop. Tac. Moi. Ah non, c'est pas moi. Bah si, oui, ça va. Le petit pilon. Et donc, je le mets là. Et donc là, ça me fait action supplémentaire plus 1, 2, 3, 4 points. Oui. Non, 8 points. T'en as mis 4, t'as 8 points. C'est ta carte t'indique que là, si t'en mets 4 collés, ça en a 8. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je te l'ai rendu. Merci. Et donc, j'ai une action supplémentaire. Ouais. Et donc, je peux prendre celui-là. Donc, je mets ça là. Donc là, ça me fait 5 points, parce que j'en ai 5 collés. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, j'ai les 4 différents. C'est ça. Donc, je mets 20 points. Et... Ça, tu vas attraper le coup. C'est plus long avec l'atelier, mais ça arrive, ça marche bien aussi. Et si j'en ai encore 4 autres différents, ça me rajoute pas le. Non. Okay. Pas exagéré, monsieur. On sait pas. C'est bon, ça, moi. Je suis prêt. Donc... Brocoli. Tac. Moi, je vais faire au mon bateau. La cité à la défense. Ça fait 10 points pour moi, s'il vous plaît. 10 points, tu es vert. Vert, oui. Donc, 61. Hop. Et moi, j'ai joué celle-ci. Donc, une petite maison. Ah, tu prends tu commences à... Un point. Je suis où? C'est que je suis devant, je suis pas habitué. Non, ça va, tu ne viens pas, c'est bon. Et hop, et on récupère les cartes suivantes. J'avais pas le choix. C'est bon. Donc, les cristaux. Donc, là, je cherche mes losanges. Donc là, j'ai 4 points. T'as les 4 différents? Ah non. Ah. Non, t'en as 3, pardon. Ouais. Merci de la fougeau. Moi, j'avance de 1. Tac. Et je mets un petit bateau ici. Tac. Et j'ai une action supplémentaire et je prends le calice. Calice, là. Tiens. Check. Calice. Calice. Et donc j'ai les 4 symboles. 20. 60, 80. Hop, moi j'ai pris chez les nobles le signe. Je gagne un point. Non, 2, parce que c'est le bon symbole. Hop. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Comme tu dis, on n'a pas beaucoup de choix là. L'un ou l'autre, c'est toi qui vois. C'est beau qui voit. Question, c'est est-ce que je vais me mettre entre vous deux ou est-ce que je vais jouer tout seul dans mon coin? Je vais jouer tout seul dans mon coin. Hop, faut mettre la dernière carte ici. Non, peut-être pas, attends. Bon, ça y est. Peut-être pas, il y a peut-être des trucs à faire mieux. Non, non, très bien, je vais jouer. Toi. Oui. Donc la dernière carte. Ça y est, moi y est déjà. D'accord. Tiens. Donc là, je mets le pilon. Donc j'ai chaque case valent 2. Donc 10 points. Joli. Les cristaux. Je pense que je viendrai plutôt là. Un point. Et moi. C'est déjà ça.
Je joue ça, mais pour le gouvernail, ce qui me permet d'avancer ici, de récupérer une action supplémentaire. Ça fait un point, quand même. Ça me fait quand même un point Bah non, non. 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 Et du coup, je vais pouvoir récupérer cette carte-là, qui va me permettre de mettre un losange ici. Merci pour nous plus. Non, c'est bon ça. Attends. Et voilà. Ah, tu te sens pas trop. Non. Je suis bien. Ça va. Non, il y a pas un petit truc. Ah, si, je suis. Trois symboles, ok. Là, je crois qu'il y en avait 4, c'est 4 depuis tout à l'heure. Donc plus 20. Donc 73, 93. T'as combien de cartes Clint en main? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et toi, Laurent? 4. Alors, donc, que nous reste-t-il à faire? C'est-à-dire, revient le premier joueur. Donc ça, j'ai déjà, et après, j'ai pas le choix. Bah, celui-là. Hop là. C'est bon? Attends, vas-y, ça me... Tac. Donc là, ça fait un point. C'est ça. Si c'est le bon symbole, ça multiplie par deux, donc deux points. Ouais, deux. Hop, moi, je vais faire avancer de deux. 1-2, je gagne 5 points de victoire et je peux mettre un petit bateau et je vais profiter que Jérôme a bien rempli les réserves pour pouvoir me gonfler. Et donc là... Ça vous fait 10 points à toi et 20 points à Jérôme. Merci pour le gonfrage. Moi c'est cadeau. Pas, moi j'ai récupéré 5 donc j'avance de 15 quand même. 4, donc 102. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. Donc moi je mets là, j'ai 6 points. Oui. Et j'ai le droit à une autre action supplémentaire. Hop. Je vais le mettre là. Check. Donc 2 points de plus. Je suis loin derrière, j'ai commencé rapide, mais là, enfin je m'active. Défausse. Tes nouvelles cartes. Hop. Bien monsieur. Prends tes nouvelles cartes. Hop. Pilon. Ça me fait deux. C'est ça, un, deux. Ouais, oui. Ouais. Moi. J'ai une maison. Non, quatre. Non, bah c'est, non ouais, je me pose 4. La question aussi, si tu vois, si c'est... Deux, j'ai une maison, si c'est, du coup je récupère 6 points. 2 points par carte, par an. Parce qu'elles sont pas toutes identiques, mais non, je pense que... Il faut moins 4 là, non, pour marquer 2 points. Ouais, oui. À toi Laura. Donc... Moi j'ai fait la maison. Je me mets là. Tu te gonfles, tu te gonfles. Donc 6. J'étais à l'aide. 6. Plus 15, 21. Des fausses. Oui, monsieur. Hop. Alors, j'ai le droit à quoi? Oh, c'est quoi ces cartes? Je suis d'accord. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? 21, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Je vais faire ça, je crois. Hein. Le jeu est pas mal en tout cas, ah, ça va. Oui. Il y a beaucoup de symboles, mais c'est facile. Enfin, le jeu est simple derrière à jouer. Je pense que tu veux la stratégie, il l'est peut-être pas, mais. Je vais être content. Ah ouais, 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 je pense. Il y a une clé. Tu vois, c'est à ravir. Je sais pas pourquoi je sens l'ironie. À toi de jouer. Je sens le truc pourri. Attends. Non, c'est là. J'ai 4 symboles pareil. 15. 5, 100, 110. Plus 1. Ah ouais, t'es comme ça. Ouais. Marqué 40. Là, par contre, personne me le dit quoi. C'est trop loin pour moi, là, pour ma vision.
Hop. Alors. Tac. 2 points. Moi, je joue ici. Les petits poissons. Hop là, ça me fait 6 points. Moi, je vais prendre les petits cristaux. 6, 7, 7 points. Tu cumules bien, toi, là-bas. Hein. Ah bah oui, je suis content. Personne vient m'embêter, donc... je suis content de ce que tu m'as donné. Ah bon ? Ouais, ouais, je vais jouer ça. C'est parfait, c'est parfait. Et celle-ci vient là. Hop. On va faire ça. Ouais, on n'a pas le choix. Hein. Bizarrement, il n'y a que des que de l'artisanat ici. Check. Moi, je joue celle-là. Donc là, ça me fait 6 points. Ouais. Ça fait 11. Non, j'étais à 7. 7 et 6, 13. Check. Moi, je joue celle-ci qui me permet d'avancer de 3. 1, 2, 3, plus 10 points de victoire. Ah bah c'est pas mal ça. 30. Et je vais pouvoir poser un petit navire que je vais mettre ici, bien évidemment, vu qu'il y a déjà des marchandises. Moi, je vais faire le feu. Là, j'en ai... 3, 6, 7, 8. 8, donc 8 points. Non, c'est 8, s'il te plaît. T'es où, t'es là? Ouais. Bon, sans doute la dernière manche. Hop. Pas. Bon, vu le nombre de, ouais, de losanges qui nous restent. Oui, ça va. Ça va, on a à peu près niveau, enfin égaux, à part Laura qui en a un peu moins, mais... Attends, parce que Laura fait que gagner. Double intérêt quand même. Hop là. C'est mon ancienne carte. Je sais pas trop. L'important là, c'est de plomber Clint. Ouais, bah attendez, j'ai marqué pas mal de points. J'ai marqué suffisamment de points pour être content. C'est bien, il est content. C'est pas il est content. Ok, je joue la clé. Ouais, je m'en doutais, bah j'ai bien fait de pas la jouer. Qui me rajoute du coup 16 points de victoire. 16. Donc 10, 15, 16. Plus, j'en ai 3 différents, donc j'ai une action supplémentaire. Donc je vais prendre celle-ci, qui me permet du coup, hop, je l'utilise, d'avancer de 1, qui me rajoute 10 points de victoire. Ça donc 45, 55, donc 56. Et je mets un petit bateau, et bien évidemment, je le mets là où il y a de la marchandise. Donc moi, je le mets avec ton brocoli. Donc j'en ai 3 différents. Ça me fait 20 points de victoire. Donc. C'est pas chier de prendre tous les brocolis, toi. Je te jure. Bon, moi, je mets la clé. Et j'ai pas mis, et donc 46, c'est 2. Je mets la clé. J'avais bien prévu que tu la mettrais. Donc je vais utiliser les 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Pour marquer 10 points. Et par contre, ça ne me donne pas le symbole. Non, parce que ça serait bien, mais c'est pas pour ça. Donc 10 points, s'il vous plaît. Pour se gagner. Tu es vert, hein? Ouais. Je suis vert. Donc tu es à 13, 23. Hop. Tiens. Oh, mais tu es trop gentil. Oh Jérôme, là j'avoue tu me fais une fleur. Hein. Ouais, j'ai plus rien. Hein. On avait prévu une clé, hein. Il y en avait 3. C'est ce que je te dis. J'espérais te le piquer avant, mais... Est-ce que je ferais pas plutôt ça? Ça me rajouterait... Ça serait peut-être pas si incroyable que ça.
non, je vais continuer ça. Hop. Donc la clé. Donc là, je suis à 16, 17, 18 points. 56, ça fait 74. Il se gave, il se gave. C'est ta faute, ça. Mm-hmm. Tu m'as pourri là-bas au début, là, tu fais pour rien. Et là, tu l'as se gavé. Attends, attends. Et j'ai 4 différents. Du coup, je me mets là et je rajoute 10 points. 84. Ça va, monsieur. Ça va. Je me suis gavé, ça va. J'étais à la traîne à la... au début. Donc là, j'ai 12 points. Plus 12 points. Plus 12. Plus 12, 24. 24. Et vous, après, je ne sais pas comment vous avez. Donc, nous, c'est quoi ça fait 6 ? Ça fait 3 et 3. Non, c'est 1 en bas ? Oui. Donc, ça fait 2 ? Ouais. 2. Donc, ça fait 1. Alors, attends, 24. Peut-être 1 pour toi, 2 pour moi. Plus 2 et une action supplémentaire. Non, mais t'as avancé de ouf là. Il fallait bien attendre. Je suis loin derrière toi encore. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai pas trop réfléchi à quoi faire. Là, il y a un bateau qui va bientôt partir. Mais ça m'arrange pas. On met des marchandises dedans. Ça m'arrange pas. Oui, bah, il y a au feu pour que ça me fasse encore un peu plus de points. 9, 9 points. Hop. Tu t'arrêtes maintenant, Laura, c'est bon. De toute façon, j'irai pas bien loin. Hein, pendant un bon coup le dernier. Alors, 3 points. 3 points, s'il vous plaît, monsieur. Et puis, une action supplémentaire, je prends le feu. Tac, 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 4 points. Et je marque 10. Ouais. Hop, une nouvelle carte. Décroché là. Pourquoi t'as marqué tant de points toi? Ah, c'est là-bas. C'est moi qui suis à l'ouest. Bon, et bien, messieurs, dames, c'est pas le tout. C'est pas comme faut. Ça. Ça sera bien, mais je peux pas. Ah. Non, je suis bien. Il est bien, Tata. Je suis bien. Parce qu'il va nous refaire une clé, là. Comment t'as deviné ? Et tu le stops, toi ? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais ? On n'a pas de clé. Ah, pas de clé, arrête tes conneries. Tu en avais deux, le tour d'avant, on avait. Oh. Regarde, j'ai la preuve. Oh, j'ai un bon coup. Alors, qu'est-ce que je fais, moi ? Fais ton coup. Là, j'attends que Jérôme pose sa carte. Ouais, c'est ça, calme-toi. J'ai un très bon coup. J'ai mis où ma carte ? 12. Ah, si. Ça, je fais ça. C'est le coup. The coup ? Ouais, the. The si coup. Je fais ça. Tu es sûr que t'as pas de clé ? Je suis sûr que j'ai une clé. Je suis sûr que là, je fais 3 actions. Pour ça, mais c'est pas moi. Ça, je l'ai admire le chat. Qu'est-ce que je fais? Là, ça, c'est pas là. Je suis désolé, hein, mais là. Ouais, non, c'est pas là. Hein. Check, ça, je m'en fous. Aïe, aïe, aïe. Si ce que je pense, ça marche, c'est quand même beau. Bon, on va faire ça. Allez. Ok, alors, je joue la clé. Je récupère 3, ce qui me fait 21. Donc je veux bien qu'on m'avance de 21, s'il vous plaît. Non, on n'a pas envie. Ensuite, j'ai 5 numéros différents, donc j'ai une action supplémentaire. Donc je vais prendre le calice que je vais jouer. Donc je le mets ici. Le calice me permet de récupérer du coup un point de victoire. Ça rapporte 2 points de victoire à Jérôme. Et moi, j'ai une action supplémentaire. Ouais. C'est 2 ou 6 ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le... Non, c'était... Dans ce sens-là,
J'attends que qu'il soit. Ça vaut 3, donc c'est 6. Ouais, 3, moi, 6. Donc toi, tu marques 3 et moi, je marque 6. Moi, je marque 3, ok. 1, 2, 3, 6. Vu que tu es avantagé, je gagne une action supplémentaire. Mmh. Je récupère l'oiseau. Je mets mon jeton. Sur l'oiseau ici. Et donc là, je récupère du coup 3 points aussi. Mmh. 3 points. Et toi aussi, 3. Et Jérôme, 3. Et donc, vu que j'ai les 3 animaux différents, ah, il en faut 4, donc j'ai pas le dernier. T'as pas ton combo. Ah, je croyais que j'avais le combo ultime. Sauf que moi, tu viens de me piquer cette carte. Je viens de me pourrir mon combo. Là, j'ai 20 points. J'en ai 2 par truc. C'est joli, toi aussi, non? Ouais. Ouais, j'aurais pu faire mieux si tu ne m'avais pas piqué. 105. Ça. Action supplémentaire. Ouais. Oui, tu viens d'aller boucher le. Ouais, je peux pas prendre celle-là, non, j'ai pas le droit. Non. Parce que tu vois, je voulais juste avancer de 1, moi. Tu vois. Oui, bah. Non, mais tu peux pas, tu peux pas. 2. Ah, je peux faire 2 notes actions. Qu'est-ce que je fais comme notes actions? Ah. Il y a le cristal. Je peux faire un peu plus de points. Il te ferait 11 points de victoire. Je lance de 2 avec celle-là. Ça me fait un peu triste. Ah bah oui, mais non, j'ai pas l'ombre. Bah non, t'as pas le droit d'utiliser 2 cartes. Hein. Bah non, mais si, mais c'est que j'ai pas de dozon, surtout pour le poser. Enfin, il y a que 6 à... Bah si, vu que ça me débloque une... Bah si, vu que ça va me débloquer une carte. Mais pourquoi tu veux avancer de 2 et que t'as pris la carte qui était là ? Le gouvernail. J'étais là. D'accord. J'avance de 2. Donc ça me fait une action supplémentaire. Ok, ok. Mais si, normalement, oui, j'ai le droit à, donc, à un autre losange, je peux prendre un autre dans la boîte. Vu que j'ai un seul autre ou 3 autres? Bah 3 autres, enfin... Donc la partie s'arrête pas, alors? Ouais, ça s'arrête quand même, si t'en débloques 3. T'en restes? Bah oui, il m'en reste, donc j'ai le droit de prendre les 3. Merci. Aïe, 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 elle va me doubler à la fin. Arrête-toi, alors, arrête-toi. Ouais, donc là, plus 11. Plus 11. Vroom. Le vent du boulet. Et puis, bah voilà. T'as Jérôme. Une petite clé. Non, mon combo. Il fallait bien te stopper, on va donner. 1, 2, 3, 4. Mais toi, t'en as pas besoin. C'est tout. Et c'est tout. Tiens, tes nouvelles cartes. Une nouvelle carte. Tu pouvais pas me faire plus plaisir. Ah oui, celle-ci, voilà. Ah oui, t'as jeté ta carte aussi, Laura? Ça y est, mince. Mince, t'as dit? Ouais, parce que je sais pas quoi faire. Bah ça suffit comme si. Bah je vais faire ça. Du coup, vous avez tout joué. Hop. Je fais ça, j'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je gagne un point. Chut. Et là, du coup, je mets un bateau. Et donc là, je récupère combien de points? Attends, ça 6 fois 3. 6. Donc 18. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18. Ouf. J'espère avoir semé Laura, mais je crois pas. Oh! Donc là, je me mets là. Oh là, la meilleure carte. 12. Donc là, 12 plus 6, 18. 6, 18. Et 3. Non, non, et 1. Et 1. 19. 19. 19 plus une action supplémentaire que je vais prendre là. 17, 18, 19. Et toi, tu marques 6. Moi, je marque 6. Ouais. Et moi, je marque 2. Je suis désolé, je vais pas dans la même cour. Hein. On va te mettre un tour. Je mets mon dernier ici. Non. 12 plus 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quoi, le regard de... T'as vu, j'ai gagné. Son regard. Pour une fois que je te gagne un jeu, pour une fois. Ouais, mais t'avais déjà joué, donc...
J'avoue. Merci, Benoît. Moi, je joue 9, donc ça fait 9. 2, 4, 6, 8, 9. Comme j'ai 5 différents, j'ai une action supplémentaire. Et je sais pas laquelle va me rapporter plus de thunes. Plus de thunes. Brocoli, j'aimerais bien, mais ça marche pas. Ça marche pas non plus. Le brocoli, il te rapporte 15 points de victoire. Hein. Bah oui, mais je peux pas le mettre. Ah ouais, mince. C'est ça mon problème depuis le début. Non, je vais prendre des perles, il n'y a pas de photo. Ah, moi j'avance le. Est-ce que je peux laisser, je fais 1. Il y en a une avec 1. 3, 3. Attends, mais. Je fais 5. 1, 2, 3. Ça sera mieux ça. Check. Et là, je... tu mets là. Je peux pas. Mais si, t'as juste t'as pas 2 points, mais t'as le droit de le mettre où tu veux, mais t'as pas les 2 points de pause. Ah, et ça te fait. Enfin, oui, bon, après c'est comme tu veux. Non, mais... c'est pareil. Non. Moi, c'est fait aussi. Donc, c'est pas. Et là, je marque. Et donc, on marque des points aussi. Je marque combien là, 6 6 et nous 3. Mais tu nous as passé devant. Non, non, j'ai un tour de retard. Merci, Laura. C'est sympathique. Je crois qu'il nous avait passé devant. Et bien voilà pour Millefleury. Laura qui coiffe sur le poteau Clint. Oui, malheureusement. Et moi qui me suis fait endormir par Clint sur les. Sur les maisons. Et bah vous êtes battu au début les... et après vous m'avez laissé tranquille. C'est ça, c'est la faute de Laura. Bah, j'avais pas les clés. Ah, sinon ça suffit. Non, mais c'était vraiment sympa. C'est un petit jeu avec plein de combos possibles. Bon, vous voyez, la mécanique super, super simple. Après, bah, voilà, faut plus calculer ouais, sur les points. Anticiper qui... ses coups d'avance. Non, moi j'ai merci bien aimé. Beaucoup et j'espère puis que voilà Millefleury vraiment ça fonctionne très bien, c'est beau. Plus après on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jeu. Bonne journée, au revoir. La grosse boîte, votre boutique et café jeu. Découvrez plus de 700 références de jeux originaux pour s'amuser à la maison ou sur place, mais aussi des animations, des soirées à thème et la location de jeux géants Rochefort et La Rochelle.